Salut tout le monde, c'est Vincent Body Expert et aujourd'hui je vais vous parler de la jalousie amoureuse. Régulièrement, des hommes et des femmes me contactent au sujet de ce sentiment parfois excessif ou incontrôlable en m'indiquant qu'ils les ciblent nuisibles à la fois pour eux-mêmes et leurs partenaires et qu'ils souhaitent s'en détacher. Je vais donc vous expliquer en quoi consiste la jalousie amoureuse, pourquoi certaines méthodes de pression basées sur cette jalousie n'ont aucun résultat positif pour le couple. Et comment vous détacher de ce sentiment qui ronge l'âme et interfère avec une vision claire. Pour commencer, la jalousie amoureuse excessive se caractérise par le fait qu'une personne ne supporte pas de voir son conjoint ou sa conjointe avoir des relations sociales avec une personne du sexe opposé. C'est un sentiment intense et brûlant qui est animé par la peur de perdre son être aimé. Et ce sentiment tumultueux peut être aussi mélangé avec d'autres tels que la possession, la colère, la tristesse, la frustration, la trahison, le déshonneur, etc. Bref, un véritable cocktail explosif aboutissant soit à une relation chaotique ou basée sur un rapport de force domination-soumission, soit à une séparation ou alors au meurtre pour les cas les plus extrêmes. Cette jalousie excessive va donc prendre la forme de reproches ou de techniques d'intimidation sur l'être aimé pour le dissuader de communiquer avec une ou des personnes du sexe opposé. L'installation de cette barrière sociale permet à la personne jalouse de minimiser tous les risques liés à une éventuelle concurrence. Néanmoins, on ne construit pas une relation saine sur la méfiance, mais la confiance. Et les restrictions ou menaces qui imposent une conduite à une personne ne vous permettent pas de voir si celle-ci est véritablement digne de confiance ou non. Forcer une personne à vous aimer ou à être fidèle contre son gré n'offre qu'une illusion à la personne jalouse. Alors si vous êtes une personne sujette à une jalousie excessive et que vous êtes dans une démarche de changement positif, faites tomber ces illusions et faites face à la réalité, qu'elle soit positive ou négative. Donc si vous souhaitez avoir une vision réelle de votre couple, commencez par éliminer toutes les restrictions envers votre partenaire et observez simplement son comportement. Si ce dernier a une attitude dépourvue de séduction envers d'autres personnes, alors votre partenaire aura prouvé qu'il est digne de confiance et vous devrez à votre tour avoir un comportement contribuant à une sérénité au sein du couple. Si malgré cela, vous faites toujours preuve d'une grande jalousie, alors votre relation s'orientera inéluctablement vers un chemin chaotique, voire une fin de relation dont vous serez le seul responsable. A l'inverse, si vous observez votre partenaire avoir une attitude de séduction envers d'autres personnes, c'est tout simplement que vous n'êtes pas synchronisé avec ses attentes et que vous n'êtes peut-être pas fait l'un pour l'autre. Surtout, ne voyez pas cela comme un échec, mais simplement comme des attentes différentes, ce qui peut être tout à fait naturel. Il faut bien assimiler cela. À partir de ce constat, vous avez deux options. Soit vous mettre à jour pour répondre aux attentes de votre partenaire, soit interrompre la relation pour en commencer une nouvelle avec une personne ayant les mêmes attentes que vous. Mais il est totalement contre-productif de s'accrocher à une personne avec laquelle vous n'êtes pas synchronisé. Pour conclure, pour sortir de cette spirale infernale qu'est la jalousie amoureuse excessive, il faut tout d'abord mettre son ego de côté. Ne pas se laisser emporter par des sentiments tels que la colère, la trahison, la mauvaise estime de soi ou les « qu'en dira-t-on ». Dès lors où vous vous emportez, vous perdez toute vision objective et vous ne résoudrez pas plus votre problème. Alors la priorité numéro 1, c'est d'absolument rester calme, même si la situation vous semble terrible. Rester calme va vous permettre d'avoir une vision plus claire, plus nuancée et plus propice à une discussion fructueuse avec votre partenaire. Mais n'oubliez pas une chose, si vous ne trouvez pas de terrain d'entente et que votre relation ne vous convient pas, alors vous devez avoir le courage d'y mettre fin pour passer à autre chose. Ne soyez pas passif à stagner dans une situation frustrante. Prenez des décisions qui vous permettent d'évoluer et de vous épanouir. Ma vidéo touche à sa fin, alors si vous avez apprécié celle-ci, mettez un pouce bleu. Quant aux nouveaux et nouvelles, si vous voulez découvrir d'autres vidéos sur les relations hommes-femmes, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert. I never gave up, I never gave in. I kept on running cause I knew I'd win it cause I was born for it.